a été publié il n'y a pas très longtemps une information qui annonce la fin possible de notre humanité. Climate change, destruction of the Earth's surface and population growth are leading us to a tipping point. Il y a 3 ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendraient à manquer dramatiquement. Pendant 7 ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux 4 coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. We didn't start with, shall we save the planet? Because that was too grand. We just start with where we are. Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire. Tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire 10 fois plus grand. San Francisco has an 80% landfill diversion rate. Everything is reduced, reused, recycled or composted. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant. Now we vote, we govern. Mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. In Totnes, we have a £21 note. Kind of... 21. Because you can. Why not?